Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de découverte de Shadow Legend. Alors c'est un jeu, je ne peux pas vous donner la date de sortie parce qu'il est repoussé semaine après semaine en ce moment. C'est le studio Vitrevious à qui l'on doit le jeu Shadow Legend, c'est ceux qui avaient développé notamment le petit jeu de plateforme Marvel's VR. Alors moi j'ai fait déjà un petit tour dans les options et franchement il y a une option qui m'intéresse énormément, c'est ici, Touchpad Mode, on peut choisir un touch ou clic pour les déplacements, ce qui fait que moi j'ai beaucoup de soucis avec le déplacement par toucher, juste quand on touche le pavé tactile, quand ça bouge, ça m'énerve. Moi je préfère qu'on clique, qu'on appuie dessus pour se déplacer, et donc on a le choix dans ce jeu, ce qui est très intéressant. Déjà je félicite les développeurs pour ça. Would you like to use speech recognition? Ah oui, effectivement, dans ce jeu il y a la reconnaissance vocale, ça utilise Cortana sur Windows 10, mais vu que c'est en anglais, moi je vais pas m'en servir. Waouh! La petite chapelle. C'est vraiment super beau. Welcome to my sanctuary, Grandmaster. I am Evelyn, the goddess of light. To begin, choose your dominant hand. Ouais, ma main dominante, c'est la main droite. Waouh. Waouh. Tcha. Oh. Okay. The gold coins you collect on your quest will tally on your right hand, and your health can be found on your left. Try collecting all the items in front of you. Now, open your inventory from around your belt and use the potion to fully heal yourself before approaching. Ah, voilà. Ah. Ouah, c'est réaliste, ça casse le truc et tout. C'est très beau. Ah bon, on est juste dans le menu pour l'instant. Allez, c'est parti, je veux jouer moi. Wow! Grandmaster, though you are powerful and have conquered all of the challenges in your world, you will soon find a threat beyond your reckoning. By the hand of the unspoken shadows, this world will fall. Your knights stand by you in this darkness, but even they will be devoured. Qu'est-ce que tu as fait? And take this. Use the torch to recover the souls of the fallen and bring light to the darkness that threatens us all. For you are the one true hope, Grandmaster. Grandmaster, are you all right? Ouais, ça va. Je peux te piquer les sous et tout là. Je te pique tout ça. Hein. Tu peux arrêter de faire coucou. Hein. Well, I'm glad you have awoken from your dream state. I had feared the worst. Donc avec la reconnaissance vocale, on peut tout simplement lire à haute voix et Cortana de Windows 10 va reconnaître ce qu'on dit et va faire le choix. C'est intéressant comme possibilité. Regardez, j'ai posé ça dessus. Il est couillon, hein. Il est couillon, tu peux pas l'enlever le truc avant de faire ça. Allez. On peut monter, c'est cool. Comme une vraie échelle. Il y a un truc à échelle. Ah oui, on peut carrément escalader les trucs comme ça. Mais c'est trop bien. Il y a des petits trucs cachés là. On peut pas monter complètement s'il y en a un autre là-bas. La chaîne. Ah oui, on peut tout escalader. Ah, je reconnais la petite séquence dans le trailer. Ah bah c'est aussi beau que dans le trailer, hein. Oh là là. Moi qui rêve d'un Dark Souls en VR, je suis trop content là. C'est trop bien. Bon, je vole les pièces à tout le monde. C'est magnifique. Clairement, c'est magnifique et... Et grâce au HTC Vive Pro, je redécouvre un petit peu les jeux PC et grâce au PC plus puissant aussi qu'on m'a fourni. Ready your bow and grab an arrow off your back. Let's see what the great grandmaster is made of. Grandmaster, grab an arrow off your back. Fine shot. Merci.
None, sir. The last we received was of the attack at Fallen Oak Harbor a few days ago. Ouais, c'est ça, on s'en fout. Je dois faire quoi là? Les gars, arrêtez de vous battre. Ouais, arrêtez de vous battre et expliquez-moi ce qu'il faut faire. Super. Ah, il m'a surpris ce con. Wouah, c'est gore. I am Lord Adaroth. C'est impressionnant. Ils sont en train de, d'absorber les âmes des pauvres gars là. Vas-y, approche-toi. Je te contre. Haha, il contre aussi. Tiens, tiens. Faut vraiment contrer à chaque fois. C'est très réaliste comme combat, c'est vraiment très bien. On peut penser à Dark Souls hein, finalement. C'est excellent hein, d'avoir un jeu comme ça en VR. Ah, j'ai coupé le bras, il a plus d'armes. Comment tu fais maintenant? Ah, il donne des coups de pied. Il est très lent. Haha. Ah, t'as plus de bras, plus de chocolat. C'est impressionnant. Je peux plus te protéger, allez. Je te défonce, je te coupe la tête. C'est trop bon. On peut la planter? Ah oui. Ah, c'est gore. C'est trop bien. Bon, ils attaquent un par un, heureusement. Pas s'étonner sur un jeu comme ça, hein. Ah, il est dur à contrer celui-là. Je veux jouer debout à ce jeu, je pense. Pour le besoin de la vidéo, je joue assis. Ah ah. Esquive. Tiens. Je l'ai cramé. Comme c'est gore, sans déconner. Il a pas fini de saigner depuis tout à l'heure, le pauvre. Oh, regardez ça. Les enfants, j'espère que vous êtes pas en train de regarder là. C'est super beau, hein. Franchement, nickel le jeu. Alors je peux choisir un élément pour améliorer mon personnage. Soit j'améliore la vie, soit l'attaque j'imagine, soit... alors c'est l'attaque avec l'épée ou avec l'arc. On va choisir d'augmenter ceci. Avec 3 cœurs de squelette que j'ai tué. The shadow world you seek has no place for the living. Ah! Farewell, brave warrior. Ah, c'est trop bien. C'est beaucoup plus sombre que tout à l'heure. Try using your bow, Grandmaster. Oui, il vaut mieux que j'utilise l'arc. Ah! Ah, c'est trop bien fait! L'explosion elle est magnifique! Oh, c'est trop beau! Tiens, headshot! Oh merde! Wouah! D'accord, il se fait exploser si on l'attaque au corps à corps, faut faire gaffe! Say or enter the password. Ok. Le mot de passe pour l'instant, je ne le connais pas. J'imagine que c'est trop profond pour traverser. Wow. C'est dégueulasse. Ah ben voilà, un cœur gratuit. Ah non, encore. Bon. On peut pas les attaquer au corps à corps. Ah. Et si je faisais péter ces bombes au sol? Ah ben voilà. C'est ce qu'il fallait faire en fait.
Il y a plein de détails, c'est vraiment très intéressant. Et ça ressemble vraiment beaucoup à Dark Souls ou à Bloodborne. C'est ce qui me plaît. Il y a quoi là? On peut monter avec l'arc qui se range tout seul, ça c'est génial. On peut aller sur le toit, apparemment. Pourquoi faire? Ah non, il faut ensuite aller sur la corde là. Ben alors, tu fais moins le malin là, hein? Allez. Au revoir. Ah, c'est gore. Ouais, je suis un méchant zombie. Franchement, les développeurs là, ils se sont quand même un petit peu gavés parce que juste avant ça, ils ont fait Merville's VR. C'était un petit jeu de plateforme VR qui était vraiment très sympathique, mais c'était très enfantin. Et là, ils sont passés vraiment du coq à l'âne. Et je trouve ça vraiment super réussi. Après, en termes de durée de vie et de variété, je suis pas sûr que ce soit vraiment très très varié, mais franchement, pour l'instant, je me régale vraiment. Tiens, il y a un autre... Ah non ! Waouh, le piège de merde ! Comme dans Dark Souls, hein. Je me suis fait avoir. Regardez ! Il a une rune ! Je suis obligé de tuer le corbeau. Oh, vous avez vu ce tir de précision, de folie? J'en reviens pas moi-même, quoi. Greetings, brave warrior, and fear me not. Ask me what you wish. Oh là 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 là, qu'est-ce que je veux, mais regardez ça. Il y a une hache genre God of War, il y a un arc de glace, il y a un bâton de magie, il y a un gros canon, une épée enflammée, enfin carrément un katana, c'est un sabre japonais. Ah mais il faut 40 runes, si je comprends bien. Là il en faut 24, donc je peux pas en fait. Bref. Oula! Aïe! Je l'ai tiré dessus! Favorite weapon of... Very useful weapon on your quest. Freezing the undead before they can even strike. It can freeze an enemy solid in its tracks and... Ça m'éclate. It would be a very on peut tester toutes les armes, c'est vraiment cool. Et ça? Est-ce qu'on peut la jeter? Comme dans God of War. Yes! On peut la jeter! Comment je la récupère? Oh, c'est vraiment God of War, quoi. Regardez ça. Je la rappelle. Excellent, mais j'ai pas assez pour acheter. Je suis dégoûté. Il va falloir que je joue à fond pour débloquer tout ça. Bon, bah, je peux rien acheter, hein. Je pense pas. Ah, mais à la limite, je peux lui vendre des trucs, là. Non? Genre tout ça. Tout ça, j'en ai pas besoin, en fait. How about this price? Attends. D'abord, je te mets tout ce que j'ai. What do you say to this offer? 116, alors il me propose 116, mais je peux lui demander plus. Genre 130. That's a reasonable offer. Ah ben, il accepte. Grandmaster. Très bien. Here are your coins. Terre de password. Faut peut-être revenir après. Hein. Ah, il y a un truc là. Ah, ok, c'est une énigme de la porte rouge. Et j'ai aussi une énigme de la porte verte. Bleu, ils disent bleu, mais moi je vois ça vert. Pensez à se décaler des flèches qui arrivent. J'arrive pas à la voir. Allez, tu meurs un petit peu, s'il te plaît, là. Voilà. Ouf. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin, franchement, je me régale, c'est vraiment super cool, Shadow Legend VR. Ça doit arriver très bientôt sur PC. Comme je vous disais, c'est reporté semaine après semaine en ce moment, mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, moi, le jeu fonctionne très très bien, et c'est super cool, franchement, si vous aimez ce type de jeu, vous allez vous régaler. Et le gameplay, il est super cool, et c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à Indes. Ouais, Indes, qui était vraiment très très bien aussi graphiquement et en termes de gameplay. Sauf que là ça a l'air un petit peu plus varié puisqu'on va se combattre aussi avec des armes de mêlée. Allez, je vous laisse sur ça et ce squelette qui fait une petite ronde. N'oubliez pas le pouce vers le haut si vous aimez toujours mon travail sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires, posez toutes les questions que vous voulez en dessous de la vidéo, je vous répondrai dès que possible. Et nous, ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Versinge Rhétorique. Allez, ciao ciao tout le monde. Take this healing potion for the battles to come. Merci. Tu la sors de ton cul ?